Bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, qui me regardent aujourd'hui dans le monde entier. Je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Voilà, je vais vous nous présenter. Nous sommes un couple de disciples en Jésus-Christ. Nous sommes donc situés dans la région nord-est de la France, plus exactement en Moselle. Donc c'est une région qui est donc située tout près de l'Alsace. Hein. Je vous présente donc la ville dans laquelle nous allons commencer d'évangéliser, c'est Sarralbe. Petite ville tout proche de l'Alsace-Bossue et à 80 km, on va dire, de Strasbourg. Donc, nous sommes là ce soir. Donc, il est déjà presque 7h du soir, 19h. Et nous sommes là et nous allons tout doucement évoluer dans la ville et parler ce qui est très important et surtout de nos jours, ces jours si difficiles de la temps des fins. C'est de parler de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, celui qui est mort sur la croix pour tous nos péchés, pour toute l'humanité. Et il est très, plus que urgent de parler et d'évangéliser le monde, parce qu'il en a vraiment besoin. Ce monde qui devient de plus en plus difficile à capter, hein, parce que les gens sont tellement pressés et pris dans tant de problèmes, et dans un stress quotidien par le travail, par les occupations quotidiennes. Le diable sait bien y faire pour remplir la vie des gens, pour surtout pas qu'ils se tournent vers Christ ou qu'ils cherchent à connaître Christ ou à lire la Bible, la parole de Dieu qui est tellement importante. Hein. C'est la nourriture quotidienne de l'homme, hein. C'est la nourriture de notre âme, de notre esprit. Et le diable, il fait tout pour détourner les gens de la vérité. Il fait tout pour les séduire, pour les embarquer dans des choses de vanité, des choses vaines du monde qui n'apportent pas la vie. Hein. Donc voilà, il est plus que important et plus que urgent de nos jours d'apporter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans ce monde désespéré, dans ce monde perdu. Voilà, donc nous sommes là en plein centre de la ville de Sarralbe et que juste au niveau de la porte de l'Albe, donc du 13e siècle, à ma gauche, ah ben, voilà, et puis à ma droite, vous voyez une église donc catholique, comme vous pouvez le constater, c'est une ville à tendance catholique et protestant. De toute façon, toute la région, plus ou moins, est de confession religieuse catholique et protestante la plupart du temps. Voilà, donc vous voyez mon mari qui évangélise une personne qui lui parle de Jésus-Christ. Et vous voulez bien venir? Voilà. Oui, vous êtes filmé. Voilà, tu veux? Oui, je vais te filmer. Donc mon mari va vous interroger. D'accord. Voilà. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes natif de Sarralbe? Eh non, je suis de Bar, dans le Bas-Rhin, quoi. Magnifique. Alors j'aurais quelques petites questions à vous poser, si cela ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Alors la première question est, qui est Jésus-Christ pour vous? Le Fils de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que Jésus-Christ a-t-il fait dans votre vie? Dans ma vie, pas grand-chose. Parce que bon, Jésus-Christ, bon, ben, j'ai foi en Dieu, mais bon, ça fait une éternité que je n'étais pas à l'église, quoi. D'accord. Vous venez de me dire à l'instant que cela fait une éternité que vous n'étiez pas à l'église. Alors, pour vous, c'est quoi l'église? L'église, ben, c'est la maison mère de Dieu, quoi. Hein. C'est la maison de Dieu, quoi. D'accord. Dans la Bible, il était écrit « Nous sommes l'Église de Jésus-Christ ». Donc, ce que vous voyez derrière vous, c'est un bâtiment. Et ce n'est pas ce bâtiment-là ou une appartenance à un certain bâtiment qui va sauver une âme. Jésus-Christ nous a sauvés par son sacrifice sur la croix.
Et ce n'est pas une église qui va nous sauver. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être dans une assemblée protestante ou dans une assemblée catholique ou que sais-je que vous avez trouvé la vérité. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie et la vérité. Et si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, Jésus-Christ va se révéler. Et vous n'avez pas besoin, tout à l'heure m'avait dit qu'il va falloir que je me confesse encore. Jésus-Christ a dit que nous devons confesser les péchés à Jésus-Christ. C'est le seul qui est mort sur la croix pour nous sauver. Il n'y a aucun pape qui nous a sauvés sur la croix. Le pape n'est pas monté sur une croix pour nous sauver. Comprenez ? Bouddha n'est pas monté sur une croix pour nous sauver. Hein, vous êtes d'accord ? Il y a un seul nom qui était donné sous le ciel, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui la vérité et le chemin. Vous en pensez quoi ? Ben, tout à fait. Ben, bon, le problème, c'est que ça fait une éternité, vu que je n'étais pas à l'église, que je me suis éloigné un petit peu de l'église. Ça fait depuis 2 mois que je dis que je vais retourner à l'église. Et puis bon, ben, Dieu est là, j'ai foi en Dieu. Jésus-Christ, c'est le divin, quoi. Hein. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus dessus, quoi. Hein, parce que bon... j'aime Jésus-Christ, mais bon, j'ai un chapelet dans mon salon que j'utilise pour prier à ma façon, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous apporte le chapelet ? La force de mon père, la force de la croyance, quoi. D'accord. Parce que ce chapelet me représente Dieu et Jésus-Christ pour moi, quoi. D'accord. On ne peut pas se représenter, on ne peut pas faire une représentation d'objets ou quoi que ce soit pour représenter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, il est écrit dans l'Ancien Testament que nous ne devons pas faire de statues, nous ne devons pas faire de croix ou quoi que ce soit et se soumettre à cela et vénérer des croix, etc. Nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous sauver et c'est lui seul qui peut nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, vous ne l'aurez pas dans les choses de ce monde, vous ne l'aurez pas. Ouais, dans le matériel, certainement pas. Alors les gens aujourd'hui, ils veulent s'enrichir, les gens, ils veulent ceci, cela, parce qu'ils n'ont pas, dans leur cœur, ils ne sont pas comblés. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce que... j'aurais peut-être une dernière question. Que faut-il faire pour être sauvé? Et sauvé de quoi? Est-ce que vous comprenez de quoi on a besoin d'être sauvé aujourd'hui? Bon, on a besoin d'être sauvé parce que bon, il y a des riches, il y a des pauvres, et puis bon... Faut qu'il y ait une égalité un peu partout, surtout faut avoir la foi, faut croire en Dieu, faut croire en Jésus-Christ, parce que sans lui on n'est rien quoi. Tout à fait, quand on parle d'être sauvé c'est qu'on est quelque part perdu. Et pourquoi on est perdu? On est perdu parce que bon, avec cette société actuelle, on s'égare vite fait quoi. On est tout simplement perdu parce que nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Nous avons tous un jour péché, ne serait-ce mentir. Et nous sommes sous la condamnation. Est-ce que vous savez que vous êtes sous la condamnation si Christ n'habite pas en vous? Oui, ben, je n'ai pas envie de voir le diable. Donc, si on n'a pas envie de voir le diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, prier, même chez soi, quoi. Hein. Prier, avoir la foi en Dieu, avoir foi en Jésus-Christ, quoi. Hein. Est-ce que vous pensez que prier et avoir la foi en Jésus-Christ peut sauver votre âme? Un petit peu, mais bon, aller à l'église, c'est quand même mieux, quoi, je pense, hein. Alors, aller à l'église n'est pas mieux, parce que dans les églises, nous retrouvons aussi beaucoup d'hypocrites. On est bien d'accord? Tout à fait, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'église, c'est une histoire de sous, quoi. Tout à fait, et bien une histoire de sous. Lorsqu'on va effectivement au Vatican, etc., donc on a bien compris qu'il s'agit, c'est du commerce, tout simplement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour défendre une religion, nous ne sommes pas là pour défendre une organisation ou quelconque ou quoi que ce soit, nous sommes là tout simplement pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné sous le ciel et c'est le seul nom qui sauve. Est-ce que vous voulez être sauvé? Bien sûr que j'aimerais être sauvé. Alors, si vous voulez être sauvé, donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Prenez-le, acceptez-le dans votre cœur, que Jésus-Christ devienne l'ami de votre vie. Vous demandez au Seigneur qu'il vous baptise de l'Esprit Saint, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit et de ne plus pécher, de se repentir. Parce que la vie, c'est le repentir. Nous devons nous repentir. Repentir de quoi? Bah, de nos erreurs, de nos péchés, de se diriger envers le diable au lieu du contraire, quoi. Parce que bon, l'argent, ça fait pas le bonheur, comme on dit, hein. L'argent, ça nous évade de Jésus-Christ, quoi, hein, de Dieu.
Tout à fait, l'argent. Oui, tout à fait, la cupidité. On appelle ça la cupidité. Le péché, en fait, c'est tout ce qui est opposé, on va dire, à Jésus-Christ de Nazareth, à l'enseignement qui nous est donné dans la parole de Dieu, de Jésus-Christ et des apôtres. Donc, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et pour nous soumettre à la volonté de Dieu, il existe un livre, un merveilleux livre qu'on appelle la Bible. Je vous invite vraiment, de tout mon cœur, de lire la Bible. De vous mettre à genoux, d'implorer la grâce du Seigneur, parce que nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. C'est pas en faisant le bien autour de nous que nous avons la vie éternelle. Non, pas du tout. Hein. Ben, de toute manière, la Bible, je vais la prendre sur Internet, ça fait un petit moment. Bon, je suis invalide, donc j'ai pas beaucoup de sous, mais je vais prendre la Bible incessamment sous peu dès que ça ira mieux. Quoi. Gloire à Dieu. Prochainement, on vous offrira une Bible. C'est promis. Merci. Ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Hein. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Vous aussi, merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, bonjour. Est-ce que c'est mademoiselle ou madame Mademoiselle. Oui. D'accord. Alors, voilà, nous sommes donc là dans la ville de Sarralbe. Et puis, nous continuons à évangéliser et parler de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth? Quand j'étais petite, oui. Quand vous étiez petite. Et depuis? Vous avez plus trop. Un peu négligé tout ça et plutôt pensé aux choses de la terre et tout. Et est-ce que vous pensez qu'on vivra éternellement sur la terre? Moi, je pense, oui. Vous pensez que vous allez vivre éternellement? Oui, dans l'au-delà. Dans l'au-delà, oui. Ah, vous pensez à l'au-delà. Et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans l'au-delà pour vous? J'en sais rien du tout encore. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Quand j'étais petite. Ouais. Ouais. C'est dommage que vous. Je vous conseille de reprendre la Bible et de lire la Bible parce que c'est le témoignage de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Notre Seigneur et Sauveur qui est venu sur la terre pour sauver toute l'humanité, mais vous sauvez aussi vous en particulier. Parce que c'est un Dieu qui est pour l'humanité entière, mais aussi un Dieu personnel et qui s'est révélé à travers Jésus-Christ, son Fils. Et donc, si vous tournez vers Christ et que vous reconnaissez, parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a témoigné, il a dit quoi? Il a dit, repentez-vous de vos péchés. Il a dit, détournez-vous de vos mauvaises voies. Voilà, parce qu'il y a tellement de problèmes sur cette terre, et il y a tellement de difficultés, tellement de catastrophes, c'est parce que les hommes se sont détournés de Dieu, et se sont tournés vers des faux dieux, des idoles, vers des religions, hein, qui adorent beaucoup les statues, hein, et beaucoup d'idoles et de faux dieux. Et ça ne sauve personne, parce qu'ils n'ont ni bouche pour parler, ni oreille pour entendre, ni yeux pour voir. Hein. Et donc, c'est une abomination devant Dieu, alors que Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que les gens, ils courent, ils sont fatigués, ils sont las, ils courent dans la vanité. Et ils n'arrivent jamais à trouver le repos. Parce que sans Jésus, on n'a pas la paix. Est-ce que vous avez la paix, madame? Mademoiselle, pas vraiment. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui... Ben, bien sûr. Voilà. Oui, comme beaucoup de gens, voilà, je pense. Vous êtes dans... vous ne savez même pas de quoi est fait l'avenir. Vous ne savez même pas. Voilà, c'est ça. Vous êtes... vous ne pouvez même pas savoir si demain vous allez encore vivre. Ah ben ça, moi voilà. Je vis le jour le jour. Hein, c'est ça, de toute notre façon. Vie, elle ne tient qu'à un fil. On n'a même pas le pouvoir sur notre vie. Hein? Donc on peut mourir à tout instant. Et il vaudrait mieux plutôt se préparer. Hein, plus à la mort qu'à la vie, parce que ce monde-là, il va passer. Et tout ça convoitise, et on va tous mourir un jour. Et après vient le verdict, le jugement. Hein. Voilà, le jugement. Et donc, Jésus-Christ, justement, il est venu pour nous délivrer, pour nous sauver de ce jugement qui nous accuse, l'accusateur, qui est toujours là pour nous accuser. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors que Jésus, il est venu pour nous enlever tout ça, ce poids, ce fardeau du péché, pour nous délivrer, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Oui, exactement. Vous connaissez tout ça. Bah oui. Hein. De toute façon, je dois m'y remettre. Mes enfants vont faire la communion et tout. Il faut que je m'y remette bien, quoi. La communion, ça, c'est plus une tradition religieuse que la vraie vie avec Jésus-Christ. Parce que j'aime quand même, je suis quand même... les traditions et tout. Hein. Oui, mais c'est ça justement qui... Mes enfants font la communion, ils ont été baptisés et tout. J'aime bien qu'ils suivent tout ça, quoi. Oui, mais ça, c'est des rituels que l'homme s'est imposé, alors que quand Jésus est venu, il nous a délivrés de toutes ces traditions et de ces rituels. Parce que tous ces rituels et toutes ces traditions ne nous sauvent pas. Ça ne nous délivre pas du mal. Ça efface pas nos péchés.
Parce que c'est le sang de Jésus, c'est là, quand Jésus est mort sur la croix, qui nous a sauvés, qui nous a lavés de nos péchés. Ouais. Et on n'a pas besoin de faire tous ces rituels pour avoir une communion avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est ça. On ne connaît pas Dieu à travers ces rituels. Ça devient même un Dieu lointain. On se demande où il est, vous ne croyez pas? Est-ce que vous ne vous posez pas des fois la question, où est Dieu? Si. Si, beaucoup. Voilà. Même mes enfants demandent toujours où il est. C'est vrai? Oui. Voilà. Bah oui, hein. Et pourtant, quand vous regardez le ciel et tout l'univers, là, toute la création de Dieu, elle est si merveilleuse. Dieu est là, il est tout proche de l'homme. Mais c'est nous, souvent, qui le rejetons et qui n'ouvrons pas notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Il s'est révélé à travers Jésus-Christ. Oui, maintenant, les gens sont plus comme avant. Moi, je sais que ma grand-mère, elle a été super pratiquante et... On était beaucoup, beaucoup là-dedans quand on était petit, mais c'est vrai qu'après, quand on a grandi et tout, c'est vrai, ça se perd, quoi. Parce que le mal grandit de plus en plus dans ce monde. Le monde est de plus en plus corrompu. Vous savez, la moralité, on n'en parle même plus. Hein. Tout est... On change le mal en bien et le bien en mal. Tout a été transformé, tout a été changé. Hein. On n'a même plus de repères, on sait même plus, on accepte tout, même l'homosexualité, alors que c'est une abomination devant Dieu. Hein, vous le savez. Hein, que c'est une abomination. Et voilà, on accepte tout, on est tolérant, mais ça ne veut rien dire. Dieu n'est pas tolérant. Dieu, il a établi une loi et elle restera toujours la même. Elle n'a pas changé. Et nous avons tous transgressé ces lois. Et le seul moyen pour être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Exactement. Moi, je vous conseille vraiment de lire la Bible. Et de prier et de passer du temps avec Dieu et de chercher sa face. Aussi de prier pour vos enfants. Et tout ça, c'est Jésus-Christ le chemin. Voilà, Jésus, celui qui m'invoquera de tout son cœur. Voilà, je me laisserai trouver par lui, parce que Dieu se révèle. Dieu est vivant, il existe. C'est pas une statue. Il n'est pas dans une église de pierre. Nous sommes l'église, c'est-à-dire le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'église. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans une église de pierre, un bâtiment. C'est pas là que se trouve Jésus. Jésus, on peut le rencontrer dans sa chambre, on peut le rencontrer n'importe où. C'est parce qu'il vient dans notre cœur. C'est dans le cœur, c'est notre cœur que Dieu y veut. C'est pas nos apparences, c'est pas une apparence de piété, c'est vraiment une vraie vie avec Christ. Que Jésus fasse sa demeure en nous, qu'il règne en nous et qu'on se soumette à lui. Ouais. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors nous sommes donc à Saralbe et puis je voudrais bien vous poser quelques questions. Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'étais enfant, oui. En tant qu'enfant. Parce que j'ai fait tout, la communion, le baptême, tout ce qui se fait, moi, enfant, là, tout. Hein. Oui, bon, qu'est-ce que je voulais dire, Jésus, tout le monde, il a dit qu'il existait, bah, si ça existe, bah, qui reste, hein. Bah, moi, je n'ai rien contre, hein. Bon, je pratique l'église, je construis la religion catholique, bah, oui. Je vais à l'église, je fais communion, bon, je ne vais pas tous les dimanches. Hein, oui, ça, ce sont des traditions, voilà. On va dire humaines, des traditions religieuses. Oui. Mais ça ne sauve personne. Parce que Jésus-Christ, c'est une personne vivante qui est venue parmi les hommes, en fait c'est Dieu qui est venu parmi les hommes, le Fils de Dieu qui est venu parmi les hommes et qui s'est révélé aux hommes il y a 2000 ans. Hein. Et vous savez pourquoi il est venu il y a 2000 ans? Non. Vous ne savez pas, c'était pour sauver l'humanité. Sauver de quoi? Sauver de nos péchés. Parce que nous sommes d'une nature pécheresse. Voilà. Nous avons commis le péché, nous avons transgressé toutes les lois de Dieu. Vous savez qu'il y a des lois de Dieu, des lois... Vous les connaissez les 10 commandements? Oui, il y avait 10, non, je ne me rappelle plus. Hein. Non, je m'en voilà. Plus. En tout cas, c'est... Que j'étais enfant. Voilà. C'est sûr qu'au moins, il y a au moins un de ces 10 commandements-là que vous avez transgressé, certainement. Nous les avons tous transgressés. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Même le plus juste d'entre les justes n'est pas juste devant Dieu. Alors, c'est pour vous dire qu'on ne peut même pas se sauver par soi-même. Donc, on ne peut pas se sauver par les œuvres, ni par une religion, ni par quoi que ce soit. On est perdu. Voilà. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous dire il y a 2000 ans déjà, que nous étions perdus. Voilà, il nous a révélé notre état de péché, notre perdition, et il nous a montré le chemin du salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est qu'en Jésus-Christ, on peut être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de notre nature pécheresse, sauvé du monde, parce que ce monde-là, il va passer, toute sa convoitise. Vous ne restez pas éternellement sur la terre, là, dans ce monde-là. Vous allez mourir un jour. Est-ce que
tout le monde va mourir un jour. Est-ce que vous le savez? On ne sait pas quand et comment. Et voilà, on ne sait même pas quand sera le moment de notre mort. Donc ça peut être à tout instant, ça peut être à n'importe quel moment. Et si mon cœur et ma vie, elle n'a pas été donnée à Jésus-Christ, est-ce que vous savez où vous irez après la mort? Non. Non. Et bien après la mort vient le jugement. Et donc si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, alors on sera dans le jugement de Dieu. Mmh. Voilà. Et comme on a transgressé les lois de Dieu, on sera condamné éternellement en enfer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va être tourmenté. Donc Jésus-Christ nous a fait grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça veut dire qu'il a pris tous nos péchés sur lui et il les a cloués à la croix avec lui pour nous sauver, pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Parce que nous sommes sous la malédiction à cause du péché, à cause de la transgression des lois de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui peut nous sauver. Il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui peut nous sauver, rien ne peut nous sauver. Même toutes vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, peu importe, vous êtes un pécheur de nature, pécheresse depuis votre naissance. Depuis Adam et Ève, on a été conçus dans le péché, né dans le péché, vous le savez ça. Depuis la chute. Voilà. Donc on a besoin d'être sauvés, être rachetés. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous a sauvés de notre nature pécheresse, qui nous a sauvés de la mort. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Est-ce que vous le savez ça? Il est ressuscité d'entre les morts. Oui, pour sauver nous. Hein, il se fait condamner lui-même. Hein. Il est encore vivant aujourd'hui. Ah bon? Oui, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ah bon? Il se révèle encore aujourd'hui. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez le rencontrer aujourd'hui même? Si vous faites une prière, si vous vous repentez de vos péchés, si vous reconnaissez que vous êtes perdu. Avec la prière. Qu'est-ce qu'il fait avec Israël, Iran, et Syrie, tout ça? Il prie, tout ça, quand même, il se bombarde, il se tue. Hein. Mais parce qu'il ne prie pas le vrai Dieu. Il prie. Comme vous dites, hein. Parce qu'on a un adversaire, c'est Satan. Et c'est un ange qui s'est déguisé, un ange de lumière qui s'est déguisé, qui veut prendre la place de Dieu et qui provoque justement toutes ces guerres et qui provoque toutes ces divisions et ces querelles entre les hommes, justement pour faire croire que Dieu ne s'intéresse pas à notre humanité, que Dieu ne s'intéresse pas aux hommes, alors que c'est totalement faux. Quand Jésus est venu parmi les hommes, il est venu pour les sauver et par amour, parce que Dieu il est amour, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Alors vous ne croyez pas qu'il a fait une grande œuvre? Il nous a sauvés par amour. Il a donné sa vie, sa vie pour nous sur la croix. Il a souffert à notre place. Il a sauvé combien sur les milliards de milliards de hein? Il est mort pour toute l'humanité, mais seulement, il faut aussi que l'humanité, l'homme, individuellement, personnellement, l'accepte dans sa vie. Ça, c'est le choix de chacun. Parce qu'il a donné le libre arbitre. Il vous a donné le libre arbitre de le choisir ou de ne pas le choisir. Vous n'êtes pas forcé de choisir Jésus-Christ. Vous pouvez choisir entre la vie et la mort. D'ailleurs, Dieu l'a dit, je te mets deux chemins, le chemin de la vie ou de la mort. Choisis le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On apprend beaucoup de choses. Hein? Lisez la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Hein? Non. Eh bien ça c'est dommage. C'est la parole de Dieu. Voilà, on avait le temps qu'à aller travailler le matin, se lever, aller au boulot, soit rentrer, un peu la télé, et tout à l'heure se coucher, hein, l'autre matin se rouvrir, l'autre repartir. Comme tu dis, on n'a pas le temps de suivre tous les machins de Bible, pour lire la Bible, pour... Ça c'est aujourd'hui, je ne sais pas combien de religions ça existe, ça a commencé apostolique, catholique, protestant, orthodoxe, musulman, voilà. Je ne sais pas. Hein, nous sommes tous le même. Et Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans toutes ces religions. Dieu n'est pas dans toutes ces dénominations. Dieu, c'est Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul sauve. Il n'y a pas d'autre nom dans ce monde et dans les cieux et au-dessus des cieux qui ne peut sauver. C'est que Jésus-Christ. Vous croyez, il y a quelqu'un là-haut? Ah oui, Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu, mais il nous a donné le Saint-Esprit et il envoie ses disciples dans le monde entier pour prêcher sa parole. En fait, pour encore parler de Jésus-Christ. Et bientôt, il va revenir. Ah bon? Oui, Jésus-Christ revient bientôt. On nous a tués encore. Voilà. Comme ex-Yougoslavie, regarde comme tu es religion.
entre serbes, catholiques, musulmans, bah, ils se sont battus pour. Hein. Mm. Bah, Jésus, il ne les a pas aidés là-dessus. Hein. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de donner votre cœur à Jésus? Hein? Vous n'avez pas envie de donner votre vie au Seigneur Jésus? Je ne pense pas. Non? Vous ne pensez pas qu'il est mort pour tous vos péchés sur la croix et qu'il veut vous donner la vie éternelle? Qu'est-ce qu'ils ont encore là, de 2 millions d'années, hein? On n'était même pas, on était singes. Hein? Ah bon, vous croyez au darwinisme, oui, l'évolution? Non, il n'y a pas du tout du singe, vous ne vous rendez pas compte. Non, ça c'est Darwin qui a inventé ça, parce qu'il ne voulait pas vous dire la vérité, il voulait vous détourner de la vérité. Ça c'est un mensonge du diable. C'est vrai, si on vient du singe, monsieur, pourquoi est-ce qu'il a évolué? Pourquoi y a-t-il encore des singes aujourd'hui? Voilà. Bah, il reste encore des singes aujourd'hui. Et sur terre. Voilà, merci beaucoup monsieur. Bonne soirée. Voilà, donc nous sommes toujours à Sarralbe, dans cette merveilleuse ville, où nous allons interroger nos croque-morts. Alors, est-ce que c'est le terme employé, le croque-mort? Vous êtes croque-mort? Oui, tout à fait, je crois que c'est dans le langage courant, c'est bien c'est le terme. C'est le terme qui est attribué, donc voilà. Ok, donc nous sommes ici, non pas pour parler justement de la mort, nous sommes ici pour parler de la vie. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ aujourd'hui peut encore guérir les maladies? Ah, ça j'en doute. Ça c'est autre chose, hein, ça c'est... Bien, alors je vous donne la réponse, c'est très simple. Vous venez de le dire, j'en doute, ça c'est autre chose. Alors, si vous, justement, Jésus-Christ a dit, celui qui doute ne reçoit rien de moi. Et nous annonçons justement un Jésus qui guérit, un Jésus justement qui délivre. Hein. Je disais, Jésus-Christ m'a délivré de la pornographie, m'a délivré de la cigarette, m'a délivré de l'alcoolisme. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, c'est un libérateur. Ça on l'appelle le libérateur. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner sa vie. Et qu'est-ce que nous faisons pour lui? Ben, a priori, sauf à le prier, oui, pas grand-chose. Est-ce que le bien sauve? Oui, je dirais que oui. Alors si le bien sauve, Jésus-Christ n'a pas besoin de faire son action sur la croix. Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin à ce moment-là de mourir pour nous. Donc, ça prouve que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Dans la Bible, il est écrit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Non, la croix est vaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui. Vous dites oui, donc vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Oui, comme tous autres. Donc si nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la grâce de Dieu. Donc nous avons besoin d'un rédempteur, nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors je ne vais pas vous attendre plus, je veux simplement vous dire une chose, c'est que mettez votre foi en Jésus-Christ de Nazareth, non pas en un homme, mettez votre foi en Jésus-Christ, non pas dans une religion, parce que la religion ne vous sauve pas. Hein, et parce que le jour où vous allez effectivement, vous êtes croque-mort, vous connaissez bien le métier, le jour où vous allez vous-même mourir, vous allez où? Alors c'est la question qu'on peut se poser. Moi ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas vous rapprocher d'une religion, c'est de vous rapprocher de la parole de Dieu, de la Bible, et de prier Jésus, parce que Jésus est vivant, il guérit aujourd'hui. Hein, Jésus-Christ n'a pas changé. Dans la Bible il est marqué dedans que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce sont les hommes qui sont écartés de Dieu à cause du péché. Ce sont le péché qui nous sépare de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu. Et c'est notre égoïsme et notre hypocrisie. Hein, c'est ça. Père éternel, notre Dieu, je te remets ces deux croque-morts, Seigneur, pour la vie. Seigneur notre Dieu, que toi tu puisses habiter en eux, que tu puisses vraiment, Seigneur notre Dieu, me leur montrer que tu es vivant et que tu n'es pas dans une religion, mais tu es vraiment, Père notre Dieu, dans les cœurs de ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Et tu guéris aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, et tu agis aujourd'hui encore dans les cœurs, comme il y a 2000 ans en arrière, tu n'as pas changé. Car tu as dit, je m'en vais et je vous envoie le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ habite en nous par son Esprit Saint. Il n'est pas là physiquement, il n'est pas là visiblement, mais Jésus-Christ, il est là par son Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des manifestations de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui opère en chacun et en tout en tous. Voilà, c'est ça la vérité. Donc Jésus-Christ, vous n'allez pas le trouver avec un homme avec des cheveux blancs, avec des yeux bleus. Ça c'est le Jésus qui est faux, c'est pas un vrai Jésus ça. Hein. Le vrai Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui est mort sur la croix pour vous et il est vivant. C'est-à-dire son Esprit.